Tu as dit Grand Steve Fest de Paris, qu'est-ce que ça t'évoque? Nuit de danseur, hein, 2007. Et quel souvenir là, t'en as? Ouais, je crois que c'est la course qu'on rêve de tous gagner, donc c'est exceptionnel. Voilà, c'est une finale de Coupe d'Europe au rugby. Ouais. Quelle image il t'en reste? Pas que des bons souvenirs, hein, même si après ça s'est moins bien passé avec M. Barjo, mais bon. Mais c'est comme ça, j'ai passé 4 belles années quand même. Ouais, parce que Mine, ça restait soit exceptionnel. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas que Mine, il y avait aussi les autres. Bah, il y avait surtout tous les autres aussi. Hein, Zayad, Anwar Somoza, Sirlak, Kiko et d'autres que je vais oublier. Donc je ne vais pas tous les citer. Non. On sait que toi, Arnaud, tu as gagné tous les groupes à Nauteuil, je pense. Il m'en manque un. Il t'en manque un? Le prix Alain Dubreuil. Honnêtement, je comptais gagner cette année avec Telem. Malheureusement, il m'a fait une petite jarde au printemps, donc on le verra qu'à l'automne. Mais après, c'est comme ça. Et puis, pour sa carrière à lui, ça se trouve, ça lui servira de ne pas courir au printemps et de pouvoir courir plus tard les grandes courses de l'Auteuil. Bouas, 8. Hawaï, 9. Œuvre, 10. Sombreuil, 11. Bolano, 12. Gus, 13. Œuvre, 14. Miss Boris, 15. Aimez-moi, 16. Non, Get Lucas, 16. Et mémoire 17, tempo 18. Et toi Arnaud, on sait que t'es t'es entraîneur bien sûr, mais t'as aussi deux grandes passions qui sont le rugby et la chasse. Et je voudrais savoir si les codes du rugby et de la chasse, toutes ces valeurs qu'ont ces deux passions qui tiennent beaucoup à cœur, tu fais des parallèles avec ton métier et ton quotidien? Bien sûr, je pense que ce soit la chasse ou le rugby, c'est de partager entre copains et de faire des bons petits casse-croûtes et des bons petits apéritifs. Donc ça me plaît. Au rugby, je discute beaucoup avec mes amis qui sont entraîneurs, de plein de petits détails qu'on a avec les chevaux. Hein, les mêmes problèmes, hein, enfin les mêmes problèmes, oui. Enfin les mêmes choses à régler, on va dire. Voilà, la chasse c'est un peu différent. Là c'est les piqueux qui ont les chiens, qui ont plus de détails à régler que nous, tireurs. Voilà, moi je ne suis pas un grand chasseur non plus, hein. Je suis plus tireur que chasseur. Voilà, mais après il faut savoir bien se placer, bien respirer au bon moment avant de tirer pour faire mouche. Ça te permet aussi de prendre un peu de recul et de gérer aussi tout ce qui est pression, tout ce qui est aussi quand tu abordes les courses avec tes propriétaires et tes jockeys pour justement faire un peu un parallèle avec tout ce... Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, de toute façon, souvent ce que je dis à mes jockeys, il faut monter son cheval. Voilà, il ne faut pas s'occuper des autres. Donc à partir du moment que la préparation, tout s'est bien passé, jockey doit monter son cheval, sa course, et voilà, être dans sa bulle. Et nous, on n'a pas à intervenir énormément. En général, il connaît son cheval par cœur, donc on a juste à lui donner quelques petites précisions éventuellement, mais suivant l'état du terrain, surtout, voilà, ce qui est très important à Auteuil, et je crois que tu le sais. Et voilà, donc, mais après, le jockey doit monter sa course et surtout son cheval en le respectant.
Comment tu vois justement ce grand style 2021? Bah, je trouve que c'est très 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 ouvert. Mon favori reste Docteur du Ballon. Voilà. Malgré cela, parce qu'il a un finish vraiment exceptionnel. Mais après, il y a beaucoup de chevaux qui peuvent l'emporter cette année. Donc ça vaut le coup de la suivre, la course. Ah oui. Je pense qu'on va trembler jusqu'à la dernière arrivée et jusqu'au poteau. C'est la course de l'année en France, hein, en obstacle évidemment. Donc moi je vibre pour ce genre de choses. La veille je vibrerai pour La Rochelle-Toulouse en Coupe d'Europe. Donc évidemment pour La Rochelle, même si j'aime bien Toulouse. Mais bon, mon cœur sera Rochelet. Voilà, et le lendemain, je vibrerai bah, pour le futur gagnant du Grand Steeple, parce que de toute façon, le gagnant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'entourage, ce sera un cheval exceptionnel, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est sûr. Ce sont des chevaux exceptionnels, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, faire 6000 mètres dans un terrain qui peut être très souple cette année, lourd non, mais très souple, vu la météo annoncée, il faudra avoir du cœur jusqu'au bout.